Cette réunion publique, pour moi, le gros avantage d'avoir permis à tout le monde de s'exprimer, poser les questions qu'ils avaient à poser et de faire les remarques qu'ils avaient à faire. Ça permet aussi de commencer à communiquer sérieusement sur le projet 31 bis, puisque selon moi, il y avait un gros déficit de communication de la part des porteurs de projet. Aujourd'hui, la communication démarre à plein. Et c'est tant mieux. Et ça permet aussi de soulever les incohérences du dossier par rapport à l'urgence climatique et les incohérences du dossier en lui-même. Je suis venu aujourd'hui puisque j'habite Florange. Je suis concerné en plein par un des tracés et menacé d'expropriation si le projet a lieu. Et puis au-delà de ça, en tant que citoyen, je veux dire aujourd'hui, la mobilité telle qu'elle est pensée à travers ce dossier est complètement décalage par rapport aux problématiques et aux enjeux qu'on a à affronter pour les années à venir. J'attends que tout le monde puisse s'exprimer et que surtout la communication soit transparente et complète de la part de l'État qui porte le projet.